Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On est ici chez Bentley, et plus précisément dans le département Mulliner, la personnalisation. Donc on va découvrir les réalisations sur mesure de cette entité de Bentley. On a par exemple ici une Mulsanne dans une édition spécifique. Plus parlant encore, un coupé dans un verre des plus flashy. Et on va aller voir ailleurs. On découvre dans ce hall d'exposition une version bicolore de la Continental GT, version spécifique à destination des 24 heures du Mans. La personnalisation, on la retrouve également à bord, avec dans le détail les surpiqûres au volant, les contre-portes, la console centrale. Donc c'est vraiment du sur-mesure. On le retrouve également au niveau des jantes. Alors la sportivité évidemment avec des empiècements comme ceci en carbone, du carbone un peu sur les côtés. On en retrouve également du carbone sur les coques de rétroviseur, ici sur le capot. Alors Mulliner, on l'a connu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Salon de Genève, avec cette version du Bentayga Mulliner, donc une version bicolore qui se traduit aussi avec, dans le détail, les jantes qui sont également bicolores. Pour être dans le bicolore, on l'a également à l'intérieur avec ici la sellerie spécifique Mulliner avec des passepoils bicolores. On a la sellerie avec ici des coussins. Le gré de raffinement, on a deux tons, donc les sièges clairs à l'arrière et foncés à l'avant, comme on retrouvait autrefois lorsque les carrossiers habillaient les châssis fournis par les constructeurs. On avait souvent le compartiment pour le chauffeur qui était souvent en plein air, qui était tendu d'une forme de cuir, et à l'arrière on avait du textile pour les passagers en conduite intérieure. Donc là on retrouve ce contraste. Pour aller jusqu'au bout de la personnalisation, on a ici de la marqueterie sur la planche de bord, marqueterie qui est réalisée non pas en bois cette fois, mais en nacre d'une coquille d'huître. Donc c'est des goûts qui sont particulièrement appréciés en Asie. On retrouve ce côté bicolore à l'avant. Il y a des éléments aussi plus typés dans la sportivité. On l'a sur cette version spécifique de la nouvelle Continental GT. Donc, on avait vu à l'usine la fabrication du cuir en motif de diamant, c'est quelque chose d'assez unique. Admirez également ces boiseries qu'on retrouve également sur la planche de bord, c'est une inspiration un peu nautique. On l'a vu sur la Continental S1 tout à l'heure, l'idée d'avoir un cerclage tout autour qui enserre le pilote. On le voit ici, notamment sur cette trappe qui masque l'écran tactile. On a des boiseries voilà, qui court jusqu'ici. La forme en diamant, on la retrouve également sur les hauts des dossiers de siège. Et ça fait écho également ici. Donc, du bel ouvrage, une finition impeccable. La petite précision ici, c'est ici en fait la plaque Bentley Motors. Continue notre visite avec plusieurs exemplaires du Bentayga. On a également, là c'est un peu différent, ces modèles de compétition. Et on poursuit ici avec cette version entièrement noire. On va aller voir en détail en fait tous les aménagements intérieurs. Les aménagements intérieurs, ce sont des raffinements
va vous montrer comme de la marqueterie. Donc on peut aller sur des motifs variés selon les goûts de chacun. Le Mont Édition, le Mont qui est toujours très présent dans l'histoire de Bentley. Ceci. On a également beaucoup de marqueterie, donc on l'a vu tout de suite avec des coquilles d'huîtres. On a également de la marqueterie avec de l'or et de l'argent massif, dans un esprit un peu art déco. Ici, c'est pour un client qui visiblement doit habiter Sydney. De la marqueterie avec différentes essences de bois. Et également des motifs aussi un peu japonais en 3D. De la laque pour rappeler l'extérieur du véhicule. Et puis, il y a également aussi, plus classiquement, flûte à champagne, des services ou ici des plaids en cachemire pour pouvoir se reposer. Alors parfois les goûts et les couleurs c'est à la discrétion de chacun. On a ici du bois et un bleu qui est particulier, on laissera le juge. Pour vos enfants, le neck plus ultra c'est ce siège assorti à la sellerie de votre Bentley. Et puis après, on peut aller sur des personnalisations comme ceci. La mascotte qui est peut-être différentes coloris, en noir, en doré. Il n'y a pas de limite en fait. Peut-être que la seule limite, ce sera votre budget. Nous, on termine avec cette version intégralement noire. Espérant que cette petite incursion dans le domaine de la haute couture automobile vous aura plu. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. D'ici là, suivez-nous sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à laisser un like. À très bientôt.